On a une surprise pour vous. Il est là. Il vient d'entrer dans ce studio. Je vous l'avais dit. C'est mais qui donc ? Eh oui, bah c'est Didier Super. Bonjour Didier Super, comment allez-vous ? Ça va. Alors Mathias Théry vous connaît, mais Irène va vous découvrir, je pense. Ah. Reste assise, maman. Ouais. Vu l'âge, c'est possible. Ça a l'air un peu spécial. Vous allez nous chanter quoi, Didier Super ? Je ne sais même pas encore. Là, d'accord. Il y a une guitare à votre droite. Là, c'est dit comme ça, hop et tout. Ouais, oui, hop, ouais, faites comme si on était en direct. Si vous voulez, moi, je peux rappeler, par exemple, pour les Parisiens qui ont la chance de pouvoir aller au Gaumont Opéra ce soir, qu'il y a l'avant-première de La Sociologue et l'Ourson. C'est à 20h, c'est ouvert. Allez-y, vous allez avoir beaucoup de monde, là, si je dis ça. J'espère. C'est ouvert, tout le monde peut y aller, quoi. Tout le monde peut y aller, oui. Il est prêt, je le vois, il est prêt. Et le film sera en salle demain. Voilà, pendant que Didier Super s'installe. Tout se passe bien ? Ouais, j'en fais combien ? Bah, faites-en une déjà. Hein ? D'accord. Ouais. Allons-y. Pas plus, hein, parce que j'ai un petit peu faim. Bah ouais. Au début, ça paraît bien. Puis après, on s'adapte. Ou pas. En Syrie, on bute les gosses en même temps qu'on viole leur mère. Mais j'en ai rien à foutre. Les Russes qui envahissent l'Ukraine alors que les Ukrainiens, ils sont déjà russes. J'en ai rien à foutre. Les cathos qui traquent leurs gosses, ils sont plus normaux que les gosses des homos. J'en ai rien à foutre. Avec le nucléaire, les Japonais, décidément, ils ont pas de peau. J'en ai rien à foutre. Par contre, Julia Le Perse qui arrête question pour un champion. Ça fait chier. Puis la nouvelle Miss France, elle est pas si belle que ça cette année. Ça aussi, ça fait chier. Ils ont construit l'Union Européenne juste pour faire un unique pays de chômeurs. J'en ai rien à foutre. Quand c'est les djihadistes qui foutent le bordel dans Paris, c'est les écologistes qui vont en taule. J'en ai rien à foutre. On a gagné les présidentielles de 2012, mais on sentait bien qu'on allait être déçus. Mais peut-être quand même pas à ce point-là. J'en ai rien à foutre. Les Chinois dominent le monde alors que tout le monde accuse les Juifs. J'en ai rien à foutre. Les dessins de Charlie Hebdo maintenant, ils sont un tout petit peu moins marrants. Ça fait chier. Le stérilé, c'est vachement bien, mais tous les 5 ans, faut le changer. Fait chier. Le printemps arabe, chez les Arabes, j'en ai rien à foutre. Si ils trouvent que la charia, c'est moins pire que les dictateurs, j'en ai rien à foutre. L'ancien patron du FMI qui est devenu roi des partouzeurs, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est même plus des produits concurrents parce qu'ils sont tous sensiblement fabriqués par la même marque. J'en ai rien à foutre. On n'arrête pas d'envahir l'Irak, alors pourquoi c'est si cher le gasoil ? Ça fait chier. Comme à chaque fois, tout s'arrangera après la prochaine guerre mondiale. Et celle-là, ça risque d'être la bonne. Vous avez un nouveau chroniqueur. Je me suis pas cassé le cul, c'est une vieille. Non, mais elle est bien, mais il y en a des nouvelles au programme. Il y a un album, on peut vous voir en concert. Bah oui, moi j'ai tout si vous voulez. Je voulais que je vous raconte, Didier Super. Tu peux le faire parce que je voudrais partir. Ah bah bien sûr. Et il nous fait le coup à chaque fois, c'est fou. Dans ta chambre. On croit qu'on est habitué, mais non. Votre prochain album, Didier Super, je vous informe, hein, c'est Vacances à vos frais. Avec un beau bras d'honneur, disponible le 15 avril. Et puis il y a votre spectacle « Ta vie sera plus moche que la mienne ». Un spectacle pour enfants. Vous serez le 14 avril à La Cigale. Voilà, Irène Théry, vous ne connaissiez pas Didier Super. Non, là, je pense qu'il vous a conquis. Tout à fait. J'irai à La Cigale, j'irai. Voilà. C'est cher, hein, je te préviens. Merci Didier Merci Super. Beaucoup. Donc « Vacances à vos frais », c'est l'album. Et à La Cigale, le 14 avril. Merci beaucoup. Débranche. Ouais. Débranchez-le.